Alors, qu'est-ce que tu fais pour la journée de la femme ? Qu'est-ce que je fais pour la journée de la femme ? Ça, c'est la question piège. Je prône la stérilisation masculine. Généralement, on fait des blagues au bureau. Je souhaite l'anniversaire de ma marraine, qui est née le jour de la journée de la femme. Déjà, je sais pas quand est-ce que c'est la journée de la femme. Le 8 mars. Tu rentres le soir, tu fais « Ah, c'est la journée de la femme !» Paf, tu mets une petite claque sur les fesses et puis ça. Je maudis qu'il y ait une journée de la femme, même parce que sinon ça veut dire que tous les autres jours c'est la journée de l'homme et du coup je trouve ça ridicule. Ouais, fêter la journée de la femme, on fête la journée de l'homme. Et alors justement, est-ce que tu penses que l'égalité homme-femme c'est une réalité ? Tu demandes s'il y a égalité de femme entre femmes et... Mais non ! Physiquement, ça sera toujours plus faible une femme. Non mais cette idée du sexe faible, je sais pas qui a sorti ça un jour. Bah déjà, je peux pisser debout tranquillement, c'est pas mes règles, tu vois, tous les mois, j'ai pas besoin de m'épiler. Un mec, c'est un mec. Une fille, c'est une fille. Bah les garçons, c'est plus violent. C'est plus vulgaire aussi. J'ai plus de patronnes que de patrons, donc je me dis que ça va bien. Elles veulent s'approprier la testostérone masculine. You don't have any balls? Si l'homme il sait planter un clou et que la femme elle sait pas, et on fera planter le clou à l'homme et tricoter à la femme. Les choses ont changé, mais tout n'est pas encore gagné, il faut être vigilant. Non, je change rien du tout, moi j'ai rien à changer. Hein. Bah pourquoi une journée en particulier tu devrais pas la rouer de coups ou pas lui faire faire la vaisselle ou... Mais tout n'est pas encore gagné, il faut être vigilant. Quand on dit Dieu créa la femme, il créa l'homme et la femme pareil quoi. Tout le monde est égaux. J'ai entendu que les nanas avaient un orgasme 5 fois plus puissant que les mecs. Et ça m'a toujours intrigué, tu vois.